touche au but. Les coordonnées de Marcus indiquent que New Hope est dans une vallée par là. On y est presque. Ça fait un moment qu'on t'entend plus. Ça va? La bonne nouvelle, c'est que je commence à maîtriser cet engin. Ça m'occupe, c'est déjà ça. Ça va aller, t'inquiète. J'ai juste du mal à croire qu'Oncle Oscar nous a quittés. Ouais, comme tu dis. Merci d'avoir demandé comment je me sentais, en fait. Merci pour la balade. Pas trop fatigué? Je suis épuisée. Au fait, je suis vraiment désolé pour la façon dont Gilet t'a traité au village, c'est vraiment... Del, tu es la dernière personne à avoir quoi que ce soit à te reprocher. Hé, hey, stop, stop! Y a une porte, droit devant! Et à en juger par son état général, ce mur est récent, construit par la CGU. Ok, faisons le tour pour essayer d'ouvrir ça. Écoute, Gilet t'a caché des choses importantes. Mais en quoi je suis différente? Toi, tu nous as confié ton secret. Pas lui. Ouais. Si tu veux. Hé, hey, regarde là-bas. C'est New Hope? Non. Les coordonnées de Marcus indiquent le nord-est. On n'est plus très loin. Va juste falloir décoincer le skiff. Tu sais ce qui me saoule le plus dans tout ça? Voir Gilet faire ami-ami avec Faz. Depuis quand ça dure? Ça fait des mois que Jean les envoie en mission ensemble. Tu t'attendais à quoi? Regarde ça. Une armurerie. Autant se servir. Jack, ouvre la porte. Regarde. Jack a trouvé une carte de la région. C'est bon, on y va. Bon, elle est où cette porte? Un verrou magnétique. Jack va nous l'ouvrir vite fait. Jack, à toi l'honneur. Ok, c'était bizarrement facile. Allez, c'est bon. On retourne sur le skiff. Hey, n'oublions pas d'embarquer des armes à bord du skiff. Ça peut servir en cas d'urgence. Armes sécurisées.
de la navigation. New Hope, nous voilà. Il y a un truc qui me chiffonne. Tu crois que Marcus savait pour JD et le corps numéro 2? Ce qu'il a fait, tu veux dire? Ouais. Je crois que oui. T'as bien vu sa réaction? Ouais. Et à vrai dire, ça explique pas mal de choses. Les enfants, vous me recevez? Marcus, t'es rentré à la nouvelle Ephira? À l'instant. Vous vous rapprochez de New Hope? Presque. Question, comment on saura qu'on est arrivé? Officiellement, New Hope n'a jamais existé. C'était censé être le dépôt de Jameson. Alors cherchez les rails et suivez-les. Des rails, j'ai. Encore une porte. La vieux verrou de la CG. Ils ont pas lésiné sur la sécurité, dis-moi. Non, pas vraiment. C'est crypté. Pour passer, il faut une accréditation dont j'ignorais l'existence. Allez, c'est bon. On retourne sur le skiff. Plus ça va, plus j'ai l'impression que la CGU a de vilains secrets qu'elle veut pas ébruiter. Alors rayons New Hope et découvrons ce qu'il nous cache. Ouais, plutôt cosy, à condition d'être bricoleur. Ouais, ça me va très bien. Ils s'en fait la malle depuis longtemps, on dirait. Ok, ça me va très bien. Allez, du nerf. Kate, un train déraillé. Marcus nous a dit de chercher des rails, non? Et ça, c'est un tunnel ferroviaire. Oui, mais... ça colle pas avec ses coordonnées. On peut jeter un œil. Prends ça. Rien là-dedans. Jack, éclaire-nous.
Des trains militaires. La seule opération menée dans le coin, c'est Tempête des Entrailles, quand ils ont attaqué les locustes, sous terre. Y a peut-être du matos à récupérer dans ces wagons? Évitez les tunnels obscurs. Voyons ce qu'il y a dans ce wagon. En espérant que ça vaille le coup. Voyons ce qu'il y a dans ce wagon. Les notes d'un ingénieur de la CGU. Ça parle de... système de refroidissement de drilles. Bien sûr. Il lançait des drilles depuis les dérives d'assaut, pas loin d'ici. Tu vois, si on trouve des modules de refroidissement, on pourra peut-être en équiper Jack, pour ajouter un effet de gel à son flash. Je vais te laisser faire. Y'a plus rien à voir dans ce tunnel. On n'a plus qu'à regagner le skiff. On peut sortir par là. Je vais t'aider. Eh bien, c'était... intéressant. Quelles sont les chances que New Hope soit tout aussi intéressant? Je dirais qu'elles sont assez élevées. Je m'occupe de la navigation. De la navigation. Hey Kate, Oscar savait pour l'amulette de ta mère? Tu sais, le symbole. Oui, elle lui avait dit des années plus tôt.
Par contre, il en ignorait la signification. Elle aussi, d'ailleurs. Il devait se douter que ça cachait un truc. Peut-être, mais c'est pas vraiment le genre de problème dont tu parles ouvertement devant tout le monde. Ouais, j'imagine. C'est là ? T'es sûr ? Ouais, ça devrait être quelque part dans ces bois. Attends, un camp d'étrangers. Aussi loin au nord ? Tu crois qu'ils viennent du village d'Oscar ? Peut-être. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Ils venaient du village d'Oscar, Lena et Norsko. D'après ce journal, ils se sont réfugiés ici après la destruction de leur nouveau camp. Et ils se sont fait encore attaquer. On devrait essayer de les retrouver. Faut leur dire pour Oscar. Par ici.